Allez, on revoit les meilleurs moments de ce combat entre Anaïs Perrot, la judokaïne du Burundi, Kanya Mweza, et surtout tous ces jouets sur ce Wazahari. Voilà, prise parfaite. Il en fallait plus que ce soit bon. Donc pour la française. Et le prochain combat qui nous attend, c'est couronné de bronze en moins de 60 kg chez les hommes entre Winsley Gogaya, le Mauricien, face au représentant congolais de la République démocratique du Congo, Arnold Kidoka Kamfumu. Le voici. Il est chez lui dans son pays. Il a la faveur et les encouragements du public, vous allez voir. Donc Gaïa le Mauricien avec le kimono blanc face au Congolais Kizoka Kamfumi. Et Thierry attaque le Congolais, il ne veut pas perdre de temps. Il est chez lui dans le son rythme. Technique, en tout cas le judo, c'est souvent depuis tout jeune que les judokas prennent les prises. Ça fait mal au fond à notre ami de l'île Maurice. Allez, pour pas que ça déstabilise en tout cas le congolais. Arnold Kidoka, bien plus que nous, qui est très concentré là, sur son objectif, aller remporter une médaille pour son pays à la maison. On essaye de trouver l'ouverture. Égalité parfaite pour l'instant, 0-0 dans ce combat. Et encore, il essaie de passer la jambe, là c'était bien fait. C'est pas laissé surprendre le Mauricien. Il peut trahir là au sol. Trouver la bonne prise. Qu'est-ce que vous pensez là, je pense, le Congolais. Il a 4 minutes 30 de combat, c'est toujours très très intense. C'est du cardio, c'est du physique. Avec la technique, bien sûr, il faut être sharp. Oh, c'est bien fait. Pourtant, il n'est pas très bon le Congolais. Les attaques de Winsley Gogaya sont pas très tranchantes. Et regardez, elles sont toutes magnifiques. D'ailleurs, il a pris Achino, le Mauricien, donc c'est bien. Et le Mauricien qui a pris Achino, donc c'est bien. Notre ami congolais qui est devant pour le moment. Messieurs, deux chinois pour le Mauricien, un pour le Congolais. Allez, l'attaque! Et la victoire! Il n'a pas compris parce que l'instant c'était le Congolais qui avait attaqué. Et au final, il se fait avoir. Attendez, on va reprendre nos espoirs, on va regarder tout ce qui s'est passé. Ça a protesté parce que il va revoir l'attaque. Alors, il compte pas pour le Mauricien. Les juges vont décider. Pour l'instant, c'était la plus décision. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vraiment le Congolais qui limite le mouvement. Et ça finit un peu en autre boudin comme ça avec la réplique du Mauricien qui ferait Hippon dessus. Ouais. Pas sur lui, Hippon. Si. Hippon. Non, Wazahari. Ouais, Wazahari. Voilà, le hippon est annulé, c'est Wazahari. Vous voyez avec l'arbitre qui fait un signe sur le côté, le hippon, le bras est en l'air.
Allez, ça va partir dans tous les sens là. Et vous savez aussi que c'est un deuxième Ozari. C'est un deuxième Ozari.